Simanga salomuntu gina simanga somuntu masekarvare owa ngitshwalela amatshala inhliziyo yami isicwela ukumbonga lo muntu Name Zéo de la librairie Tameri. Voilà, très très heureux de me retrouver ce matin, cette matinée avec des frères et sœurs pour l'accompagnement de la sœur Pambalin à sa dernière demeure. Et nous sommes d'autant plus heureux que nous réussissons à exaucer son vœu le plus cher qui était d'être enterré aux côtés de son feu mari au Sénégal. Allô, c'est Athanas, c'est Amiel, c'est Atomis, Tina. C'était juste en fait pour remercier la famille panafricaine qui est là. Dire vraiment qu'il faut que nous puissions avoir foi en nous-mêmes parce qu'on était désespérés dès l'annonce de la mauvaise nouvelle. Mais finalement, grâce à nous tous, tout a pu se faire. Une sœur martiniquaise née à Bangui, mariée à un Haïtien et qui va reposer sur la terre de ses aïeux. C'est quelque chose de fort et remercions d'abord notre aîné, M. Gueye de la FETAF, qui fait beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Vraiment, c'est M. Gueye, c'est un papa. Il faut le remercier parce que c'est du vivant des gens. On doit célébrer des gens comme ça. Parce que la FETAF a beaucoup fait. Merci aux frères Ouassa qui accompagnent les petits frères Chaka. Un Sénégalais qui accompagne un petit Martiniquais haïtien. Ça, il faut le faire. Merci à mon petit frère Kaloz. C'est lui qui, en une semaine, a mobilisé 3500 euros. On n'avait aucun radis. Merci au MIR. Ceux de la Martinique qui sont mobilisés. Merci à notre frère Ernest Matang qui est du Cameroun, qui a fait le devis. C'est lui qui a fait le devis, donc c'était une histoire de tous. Moi, je vous parle, je suis Congolais, donc il faut qu'on se rende compte que, voilà, unis, on peut vaincre. L'union fait la force. Haïti nous a montré le chemin. What up, my brother? Okay, can you say something? You speak French? Present yourself, please. Yeah, my name is Okobe Kemi. So I came all the way from London. Oh, you're from London? Yeah, I came from London. Oh! So I came to... Tu parles français ou? Je parle français. Oh, mais parlons français? Voilà. Bon, vas-y. Donc, toi, tu viens de Londres? Ouais, pardon, parle-nous un peu, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai effectué le déplacement depuis Londres. Ok. Pour venir participer à lever du port de la sœur Mireille. Waouh! Voilà, j'ai vu toutes les annonces sur Facebook. Ok. Aussi sur la chaîne Mobali. Oh, le frère Mobali Makassi, voilà. Hôtel à toi, mon frère. Voilà, donc, j'ai participé et puis bon. Même si je ne la connaissais pas, j'ai entendu tout ce qu'elle a fait pour le combat, pour la communauté. Et franchement, j'ai décidé de venir la soutenir et participer à cette cérémonie là. Et d'inciter aussi nos frères à tous se mobiliser quand il y a une personne qui se bat pour cette cause là. Voilà. Donc il faut toujours continuer avec cette vision d'union. Et puis de continuer à être toujours dans l'action. Voilà. Parce qu'il faut, on parle toujours et tout ça, mais il faut poser cette action-là, l'union, et pour soutenir nos frères qui sont battus pour cette lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Nous devons tous rappeler que la sœur est de la Martinique et de la Centrafrique. Mm-hmm. Son mari de Haïti. Mm. Il est enterré au Sénégal et elle a souhaité donc être enterrée aux côtés de son mari au Sénégal. Mm-hmm. Donc nous remercions toute la communauté de s'être mobilisée pour réussir cet accompagnement. Mm-hmm. Donc il est évident et que c'est une grande action pour notre communauté. Mm-hmm. Et c'est un succès que nous devons mettre au crédit de nos actions, de tout ce que nous faisons, et c'est donc un exemple à suivre. Mm-hmm. Pour la suite de notre combat. Mm-hmm. Merci doyen. Merci. 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 C'est ça, voilà. Toi tu viens d'Angleterre. Qu'est-ce que tu as à dire aux frères qui sont à Paris, qui savent comme toi, qui ont vu comme toi, mais ils sont pas là? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Non, il faut que je leur dise que il faut qu'on, à partir d'un moment, il faut avoir nos priorités. Si on est des combattants et qu'on se bat pour cette cause de la libération du Kama, il faut faire la part des choses. Mm-hmm. Il faut avoir une priorité. Mm-hmm. Et c'est en cela que moi j'ai montré l'exemple. Mm-hmm. Donc il faut poser l'action, il faut mettre en devant les choses, le combat. Ce n'est mm-hmm. pas un choix, c'est une priorité. Mm-hmm. Donc c'est cela que moi j'ai laissé et je suis venu pour marquer ma présence pour cette soeur-là. Mm-hmm. Quand j'ai entendu son histoire, il fallait que je fasse ce déplacement-là. Mm-hmm. Et j'appelle aussi mes frères et sœurs de Paris aussi à faire comme moi, et j'ai montré l'exemple. Mm-hmm. Et encore une fois, c'est pas un choix, c'est une priorité. C'est tout à fait. La renaissance du Kama, c'est pas un choix. Tout à fait. Au top, mon frère. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Je vous remercie tous d'être venus pour honorer sa mémoire aujourd'hui. Et que, bon, elle reste vivante dans mon cœur et que son combat continue. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Hein, que, même si ce n'est pas l'Alliance africaine directement, que le combat pour notre renaissance, panafricaniste et kémite, continue. Parce que si, ça ne doit pas s'arrêter avec la traversée des dirigeants de nos associations. Ça ne doit pas s'arrêter là. Que je remercie tous les frères et sœurs qui ont contribué, pas seulement financièrement, mais même par la pensée. Donc, évidemment, il y a tant à dire bon, sur elle, tout le combat qu'elle a mené. Donc ça, il y a tant à dire, on n'a pas le temps de donc il faudra un hommage, il ne faudra pas que sa mémoire soit oubliée après tout ça. Parce que c'est bien de faire tout ça, mais il ne faut pas que sa mémoire soit oubliée après. Quoi. Parce que bon, c'était pas seulement c'était ma mère pour moi, mais c'était le combat de toute une vie. À ton retour, on voilà. Quelque chose. Et il ne faudra pas que ça s'effondre après. Tout à fait. Parce que c'est trop important, c'est sans battu. Il ne faudra pas que ce soit oublié après. Comme tout le monde est là, il faut profiter pour dire qu'à ton retour, on fera quelque chose. À mon retour, comme ça, tout le monde est au courant. Il faut faire une veillée. Hein. Donc, veillez hommage. Et qu'on a réussi à faire rentrer la maman au pays. Le symbole, la maman a réussi, vous avez réussi, on a réussi à faire rentrer la maman au pays. Elle va être enterrée au Sénégal, dignement, avec son fils. On a réussi, avec le frère Kalos qui est là, qui a réuni 3500 euros. Vous-même qui êtes là, vous avez 3500. Moi, j'ai vu aussi l'émission de Mobali. C'est lui qui m'a. Vraiment, merci. Voilà, qui ont tout organisé et tout. L'Afrique est là. Il faut dire ça. Voilà les frères du Sénégal qui vont l'accompagner avec le monde. Au tête, haché. Au tête, haché. En toute dignité, sur place. Merci. Retourne à la maison. Oui. On sait s'entendre malgré nos différences, malgré qu'on est différents, quoi que ce soit, on a tous le temps dans Je sais. Non, moi je pense que c'est pour ça que je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Et
que la lutte continue et elle aurait aimé que ça continue. Et donc ça ne doit pas s'arrêter avec elle. Ça doit c'est pas... vrai qu'elle ne parlait pas beaucoup d'argent depuis qu'elle était... C'est vrai qu'elle ne parlait pas beaucoup d'argent, mais quand même, c'est... Enfin, c'est pas seulement l'argent qui compte, c'est, ce sont les vibrations et aussi que le combat continue. Ça ne doit pas s'arrêter. Donc. Merci. Donc, merci infiniment. Voilà. C'est vous, la famille de Mireille Pham. Merci, Chaka. Merci. Courage, bon voyage. Merci. Et on s'attend pour le match. Merci, mon frère. Merci.